Salut, bonjour. Ce matin, j'ai envie, oui, Le monde perdu des géants. Jim Vieira, qu'on a déjà vu dernièrement aussi dans une vidéo à propos des traces de géants à 5 doigts, 6 doigts, voire 7. Continue à nous faire appréhender ce domaine de pensée où il faut bien constater quand même qu'on a des preuves sous les yeux qui permettraient d'étayer cette hypothèse comme quoi, effectivement, il y a eu en tout cas des tribus de géants, si ce n'est pas des civilisations de géants, qui ont laissé sur Terre des artefacts absolument incompréhensibles. Parce que même si on considère, donc là, ce sont ces grosses dalles de pierre, si on peut dire, ces pierres énormes, à Ollantaytambo, ou bien Sexy Woman, ou bien à tous ces coins d'Amérique du Sud ou centrale, qui ont été sillonnés par Quetzalcoatl ou son nom m'échappe, mais ça me revient tout de suite. Viracocha. Toute la planète est inondée de légendes sur les géants. Quasiment tous les sites anciens sont associés aux géants. Que ce soit les habitations géantes, des tombes géantes, les artefacts géants. On parle de, je pense à des haches, par exemple, dont le manche fait entre 5 et 6 mètres de long. Oui, donc la cognée, vous imaginez la taille de la cognée, hein? À peu près la taille de la table, une petite table de. Une petite table de 4 de bistrot, là, vous voyez, ben, ça, c'est à peu près la taille du fer de la hache. Fatalement, ou des sabres aussi, qui font 3,50 m, 4 mètres de long. On a les empreintes de pied énormes. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, on va voir, parce que je pense qu'il va nous en montrer quelques-unes. Donc, là, on a à l'écran Jim Vieira et son frère en train de monter des plans sur la comète des géants. Alors, ils ont fait une enquête à tous les deux, ils ont vraiment interrogé tout le monde, autant les sceptiques que les professionnels, depuis leur bureau du Massachusetts. Donc, les scientifiques, ils ont parlé aux natifs, aux aborigènes. Les aborigènes, c'est les originaux, quel que soit le pays, hein, ce n'est pas qu'en Australie. Donc, ils ont pondu un bouquin avec son pote Hugh Newman. Vous savez, on a une fine équipe là, de très bons. Professionnel avec un esprit ouvert, c'est justement, bon, on va dire Jim Vieira, Hugh Newman, donc le frère de Jim Vieira, a priori, est aussi de la partie, Graham Hancock, qui a-t-on encore, tous les spécialistes de l'Égypte, John Anthony West, qui est mort aujourd'hui, Robert Temple. Ces derniers temps aussi, nous avons Antoine Gigal, enfin ces derniers temps, pas vraiment, mais enfin, personnellement, je commence à écouter ce qu'elle nous raconte à propos des nouvelles datations de l'archéologie égyptienne officielle, hein, qui nous fait remonter là, ce coup-ci, à 100, 150 000 ans, jusqu'à 500 000 ans, voire 800 000 ans. Officiellement, hein. Ben, c'est-à-dire que les techniques de datation ont quand même évolué aussi. Et puis qu'a priori, ben, écoutez, comment dire, les scientifiques égyptiens se débarrassent de la tutelle des académiques anglo-saxons, globalement anglo-saxons, et leur théorie limitée de datation à 4 500 ans pour les pyramides, par exemple, entre autres. Sans parler de toutes les incohérences dans leur théorie. Mais alors que ce soit en astronomie ou en archéologie, on a le même sujet, le même problème, ou en médecine, ou en fait en tout, on a toujours le même problème. On a les anciens scientifiques qui restent bloqués avec des théories qui ont fonctionné jusqu'à maintenant, plus ou moins, mais qui nous ont plus ou moins aussi amenés dans des impasses assez souvent, ou des aberrations, comme quoi on serait là au sommet de l'évolution humaine, alors qu'a priori, eh bien, ne serait-ce qu'en Égypte, puisqu'on parlait de ça, tout pousse à croire que
Les premiers implantés là, on savait plus que ceux d'aujourd'hui. Donc, en fait, il y aurait une dégénérescence de la civilisation. Pour quelle raison? Bon, c'est pas le sujet, mais c'est pas le sujet. C'est pas précisément le sujet archéologique, parce qu'en fait, c'est un sujet qu'on peut retrouver en politique. Pour quelle raison? Eh bien, pour maintenir les peuples sous contrôle. Ça signifie qu'il y a une partie du peuple qui garde le contrôle, oui, ça signifie des choses comme ça. Ouais. Une partie du peuple ou qui n'est pas du peuple d'ailleurs. Ouais. Oui, ça signifie plutôt ça, mais plutôt que de l'admettre, ben comme ils sont au pouvoir, ils accusent quelqu'un d'autre. En fait, comme solution à l'énigme, ça marche bien, moi je trouve. C'est l'histoire de l'enquêteur qui enquête sur ses propres crimes, vous voyez, alors on ne trouve jamais le crime, le coupable. Puis le jour où on va trouver le coupable, on va se rendre compte que le juge aussi fait partie du même club que l'enquêteur et que donc, alors sûrement, il va y avoir des vices de procédure, par exemple, ou des trucs dans le genre. Oui, c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Alors, on le prend de bonne humeur parce que quand même, on a été gravement naïf, mais sinon, ça commence légèrement, à propos de géants, à nous courir sur le haricot. Donc, ce bouquin s'appelait L'histoire cachée de l'Amérique. Les monts secrets, dans les secrets cachés dans les monts et dans les dossiers du Smithsonian Museum, qui est affilié ou accolé, on va dire, au Smithsonian Institute, dans lequel disparaissent un petit peu finalement tout ce qui se laisse empoussiérer et oublier dans les musées, et puis finalement disparaît vraiment de notre accès public. Hein. Il paraîtrait même des fois que ils ont emmené en bateau des artefacts et ils les ont jetés en mer. Oui, c'est bizarre, mais alors ça veut dire que quelque part, ils en ont des preuves quand même. Ou ils n'en ont pas besoin. Ou ils en gardent des preuves, puisque ça a des valeurs inestimables de tels artefacts. Et qu'ils ne sont pas à rechigner sur faire un petit billet à l'occasion, tous ces espèces de gens là, qui se prennent supérieurs. En tout cas, ils veulent nous empêcher, nous, d'en faire des petits billets, de façon à nous empêcher d'avoir les moyens techniques, technologiques et autres, d'accéder à ces savoirs-là. Parce qu'il y a souvent des bouquins, des vrais bouquins, bons bouquins qui sortent à propos de tout ça, sauf qu'ils sont à 800 $ la pièce. Donc, évidemment, vous n'en trouvez pas beaucoup dans les académies, dans les écoles, tout ça, ni chez les privés. Vous voyez, j'en ai pas. Mais bon, aujourd'hui, il y a des fois des gens qui font des petits PDF et qui les mettent sur. C'est sympa, ils partagent. Le problème en archéologie, c'est qu'on a des paradigmes qui ne permettent pas de comprendre ce qui se passe. Si par exemple, leur origine, d'où viennent-ils? Si l'humanité était censée être issue de l'Afrique, ce qui n'est pas le cas. Hein. Il y en a une partie, oui, mais pas tout. Il y a eu d'ailleurs tellement de couches de population humaine. Et quand je dis de population, c'est-à-dire d'implantation de la population humaine hein, et de développement, dans diverses configurations de la planète Terre, dans sa rotation, un équateur qui aujourd'hui est là, mais à une époque n'était pas là, des pôles qui changent de place, des orientations angulaires, tout ça, ça a varié, donc ça fait à chaque fois une nouvelle histoire. En fait, dans leur théorie, il n'y a même pas la place pour y caser des races de géants. Cette théorie de l'évolution, qui ne tient pas debout, donc. Ils ont même du mal à accepter ce Cro-Magnon qui était particulièrement grand et qu'on a trouvé entre la France et l'Espagne, me semble-t-il. Pour l'instant, l'anthropologie est bloquée par les anciens paradigmes. Donc, Jim va prendre une approche ésotérique pour résoudre ce problème. Ésotérique et mythologique. Et. Encore, là, je pense que, tout comme moi, il va se dissocier des explications, je suppose, de l'univers électrique, qui réduit toutes les histoires mythologiques des dieux et de leur interférence avec l'humanité, à des configurations planétaires d'un système solaire qui n'avait pas le Soleil pour centre à l'époque, mais plutôt Saturne. D'autres configurations, donc, pour que la Terre vive, si on peut dire, dans le cosmos.
et qui, à mon avis, s'explique aussi par des interférences d'entités, et non pas uniquement parce que Vénus passe au-delà de Mars, et puis qu'entre les deux se crée un coup d'arc qui va laisser comme la cicatrice la plaine martienne, que certains pensent avoir été créée par un flux d'eau, d'accord, de liquide. Ce qui n'est pas le cas. Je ne dis pas que par la suite, il n'y a pas des liquides qui aient emprunté ces chemins-là, mais tout ça semble avoir été gravé à l'électricité cosmique. C'est aussi le moyen de faire des cratères circulaires ou hexagonaux, et puis qui, de toute façon, semblent avoir été créés par une chute perpendiculaire à la surface, ce qui est peu plausible d'être retrouvé sur toute la surface d'une planète. Et en général, ce qu'on voit là, ce sont des cratères circulaires qui ont tous été heurtés, je veux dire, hein, par un astéroïde qui arrive de manière perpendiculaire. Vous voyez? Et puis, il aurait une profondeur qui serait bien différente par rapport à. D'ailleurs, pourquoi est-ce que la majorité des cratères ont tous la même profondeur alors qu'ils n'ont pas le même diamètre? Voyez? C'est parce qu'en fait, l'érosion électrique s'est faite jusqu'à une sous-couche particulièrement moins réactive ou plus résistante. Ouais, moi, je pense que ça tient bien debout, hein, tout ça. Bon, pour lui, il n'y a pas de doute, il fait référence à ce livre de Elise Silver, intitulé Les humains ne viennent pas de la Terre, donc avec une étude scientifique des preuves. Et on a de la chance, hein, là, il nous a mis des pupilles rondes. Je pense que sinon, le public va flipper trop grave d'un coup. Ah, puis je ne dis pas qu'absolument il y a une correspondance entre l'humanité aux pupilles rondes et l'humanité, enfin aux humanoïdes. Très joli quand même, hein. Aux pupilles donc de chat, on va dire. Pour éviter de dire constamment que reptilienne. Donc il faut bien imaginer que l'humanité a pu être créée en tant qu'expérience génétique. Il y a déjà différentes formes d'humanité qui auraient du mal à être issues des mêmes ancêtres. Il est de toute façon inexplicable cette évolution de nos capacités cérébrales en aussi peu de temps. Au début, l'explication avec l'évolution des tribus, la tectonique des plaques suffisait. Mais de plus en plus, on tombe sur des artefacts, des preuves qui mettent à mal ces théories. En fait, les scientifiques, au lieu de tout reprendre et de réimaginer un moyen de faire s'assembler toutes les preuves et toutes les théories qu'on a dans une démarche unifiée, si on peut dire, mais enfin plausible, qui explique tout, hein. S'il y a eu un passé, il y a eu un passé, quoi, hein. Il n'y en a pas eu plusieurs. Comment dire? Si le Vésuve a pété, le Vésuve a pété, il n'y a pas un passé dans lequel le Vésuve n'a pas pété. Enfin, en tout cas, s'il y en a un, il n'est pas sur notre planète. Faut pas rompre avec toutes les théories, mais bon, malgré tout, en s'en libérant. Surtout quand je n'y adhère pas. Pas vraiment, non. Les différentes timelines, j'ai du mal. Ce qui s'est passé, ça s'est passé parce que sinon on ne serait pas là avec cet esprit-là pour y réfléchir, quelque part. L'univers entier est truffé de vie et il est quand même aberrant de penser que nous soyons les seuls, nous dit-il, et surtout la seule forme de vie en plus. Il y a différentes manières de réfléchir et lorsqu'on est en sciences électroniques, par exemple, la manière de réfléchir au fonctionnement d'un téléphone n'est pas du tout la même manière qu'on a de réfléchir et de résoudre des problèmes archéologiques. Mais bon, comme pour l'instant personne n'a de machine à remonter le temps, il nous faut rester ouverts dans notre choix de théorie et puis se rendre compte que jusqu'à présent, ça n'évolue pas. Je refais un parallèle en astrophysique non plus, ils commencent à dispenser des milliards chaque année pour des recherches de matière noire et autres qui n'existent pas, hein, qui n'existent que dans l'esprit des mathématiciens qui sont pris pour des astrophysiciens et qui ont remplacé les observations par des échafaudages, voilà, de théories. On ne peut plus fumeuse, hein,
puisque donc Einstein avait tort à de nombreux niveaux, entre autres, et qu'il ne connaissait pas tout, ne serait-ce que les fractales, par exemple. Einstein ne connaissait pas les fractales, donc il a été bloqué. Donc, il n'a pas pu se rendre compte qu'il était bloqué à la limite même. Et donc, plein de choses, quoi. Donc, on peut le revoir. Et donc, il faut revoir les choses sous un autre angle. En tout cas, il ne faut pas jeter ces autres possibilités de pensée. Alors, on va commencer par étudier Sexy Woman ou Sexy Woman. Sexy Woman. Il y a quand même des pierres de 350 tonnes, là. Évidemment, cet espace entre les pierres dans lesquelles on ne peut rien passer est un gros mystère. Il y a quand même ici différents niveaux de construction, par exemple entre l'arrière-plan et le premier plan. Lorsque les Incas ont dit aux précurseurs espagnols qu'ils n'étaient pas ceux qui avaient construit Sacsayhuaman, mais c'était des géants. Dans leur mythologie, il y avait des personnes de grande taille qui vivaient dans la région de Cusco et qu'ils portaient des pierres énormes, des blocs de pierres énormes, et les assemblaient. Bon, ça aussi non plus, ce n'est pas, hein, c'est pas très fiable. Parce que c'est, à moins que ce soit de la pâte à modeler. Vous voyez, parce qu'il y a quand même un travail inimaginable, et non seulement d'incrustation des pierres les unes dans les autres, mais en plus de polissage de ces surfaces. Et ça, ça quand même, pourquoi faire? Il y a quand même dans ces peuples locaux des lignées de gens qui continuent à promouvoir ce genre d'idée de la présence de géants dans les temps anciens. Pourquoi faudrait-il oublier ce genre d'informations? Il y a quand même un besoin d'intégrité culturelle. Donc, en Amérique du Sud, en tout cas, les natifs parlent de géants comme constructeurs de ces structures. Donc, le dieu Viracocha, qui était androgyne, c'est-à-dire autant masculin que féminin, a créé la terre et le ciel. Ensuite, il a créé une race de géants à partir de la pierre. Ayant des problèmes finalement avec eux, il a transformé certains des géants de nouveau en pierre et a détruit le reste dans un déluge. Un déluge? Comment on fait un déluge? Il a pris où toute cette eau? Ah, alors, il y a plusieurs hypothèses. Alors, on peut imaginer quand même que de temps en temps, il y a des comètes qui soient effectivement faites essentiellement de glace. Bon. C'est un peu douteux, c'est l'explication de la NASA pour les comètes, c'est pas du tout ça. En fait, en général, c'est de la pierre. La pierre qui réagit avec le rayonnement solaire, émettant de l'oxygène, et le rayonnement solaire, en général, c'est des protons d'hydrogène. Donc, HO2, ça crée de l'eau partout dans l'univers. Ça, c'est un moyen, voilà. De rajouter de l'eau sur une planète. Sinon, la planète est déjà pleine d'eau. Et comme une bassine d'eau qui sera en mouvement et vous bloquez, le niveau de l'eau dedans va soudain se précipiter vers le bord qui est du côté du freinage, si on peut dire. Et donc, voilà, ça aussi, ça fait un certain tsunami. Et comment on arrête une planète? Oh, ben, soit on y envoie un caillou à contresens, par exemple, hein, ça on peut faire. Il semblerait quand même qu'effectivement, il y a eu un cratère, enfin le cratère du lac Victoria aux sources du Nil, soit au-delà du fait d'être dans l'alignement de la pyramide de Gizeh, soit là suite à une arrivée d'astéroïdes qui aurait donc fait basculer la planète légèrement, vous voyez, on tape comme ça, paf, donc la planète bascule légèrement, ça c'est possible. Un autre moyen, je ne sais pas, il y a peut-être technologiquement aussi un moyen. On a la Terre qui tourne sur elle-même dans un phénomène d'entraînement électromagnétique. Si on crée une perturbation suffisante, on peut influencer. Vous allez dans une casse automobile, vous voyez un électro-aimant.
c'est une toute petite plaque, on va dire, voilà, vous avez le véhicule, et dessus, vous allez avoir une toute petite plaque comme ça, qui va finir par soulever le véhicule. Il y a vraiment très, très peu de concordance de surface entre les deux, et tout ça. Il n'y a pas de colle, mais hop, il suffit de balancer un courant électrique, et puis paf, l'électro-aimant devient indécollable. Donc, vous voyez, des fois, il y a moyen de par le biais d'une technologie qu'on connaît, ou ça aide, de faire des choses qui paraîtraient inimaginables auparavant. Voilà, je ne veux pas ignorer non plus ces possibilités-là. Donc voici ici Viracocha. Ankar, Klaus Donat nous montre aussi des artefacts avec tout un matériel d'obstétricien, c'est-à-dire pour aider à la mise au monde des enfants. Et il y a aussi une médaille sur laquelle sont gravées toutes les étapes de développement génétique, ainsi que les spécimens masculins et féminins d'une espèce qui ressemble, enfin, dans les proportions et dans la taille, qui ressemble à Viracocha, qui ont une grosse tête et qui sont très ramassés, enfin, très trapus, hein, on va dire. Ankar, qu'est-ce qui tient à la main là? Qu'est-ce que c'est que ces deux bâtons? J'ai des bâtons, je ne trouve pas que ce soit des bâtons. En plus, ils sont un peu carrés. Bon, ça pourrait être des bâtons, mais je ne sais pas. Moi, je me demande si, dans une certaine mesure, avec les explications de l'univers électrique, on ne pourrait pas là imaginer que c'est une figure allégorique. Pour exprimer la relation qu'il y a entre les deux courants de Birkeland, cet endroit où se crée la galaxie, qui est justement cet éclaté là de son visage avec son auréole solaire. Je me demande. Bon, c'est vraiment de l'encart dans l'encart. Petite précision, il est souvent représenté avec 6 doigts et 6 orteils. Alors, est-ce que l'électricité dans le cosmos n'a pas, dans la division en 6 flux, une manière de vivre, hein? Vous savez, les lois physiques, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui expliquerait aussi pourquoi est-ce qu'il y a des humanoïdes à 6 extrémités, hein? Parce qu'il y a un lien entre la création électrique de la matière, si on peut dire, et la configuration de la nature, hein, que ce soit une feuille, que ce soit notre arbre branchique, que ce soit cette histoire de fractal, cette histoire de forme, cette histoire de proportion. Il y a des lois comme ça qui se respectent d'un règne à l'autre, hein, enfin, à ma vision des choses. Hein. Avec d'autres lois physiques, l'humain pourrait avoir 3 jambes, 3 bras. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la configuration en étoile à 5 branches. À une époque, peut-être que dans d'autres configurations cosmiques, il y avait d'autres lois. Vous voyez, si vous rajoutez un élément dans une expérience, ça change un petit peu les conditions de les CNTP, les conditions normales de température et de pression. Et donc, ça change les données, et donc en général, le résultat de l'expérience. Bon, j'arrête mes encarts dans l'encart. Il y a un explorateur dont je n'ai pas tout à fait bien compris le nom, qui s'appelle Fossol, et qui se servait d'une explication des indigènes, comme quoi il se servait de plantes pour ramollir les pierres. Pour l'Égypte, on a aussi pensé à l'utilisation de lentilles de Fresnel. Ça permet de faire fondre la pierre avec la lumière solaire. Absolument, hein. Regardez, lentille de Fresnel, Fresnel, sur Google, ce que vous voulez, quoi, sur le net, dans vos bouquins, et vous voyez que vous pouvez faire fondre, même dans votre jardin, quoi, finalement, avec une bonne lentille, comme ça, vous faites fondre de la pierre. Vous faites en général vers 1200 degrés tout fond. Hein. Donc, on a des preuves de construction épatante, d'ingénierie et de cataclysme partout en Amérique du Sud. Et
un des phénomènes les plus frappants est justement cet escalier qui est retourné. Vous voyez? Il a été pris et retourné. Alors, on peut imaginer qu'un déluge fasse ça. Bon, le problème, c'est que là, on est au sommet des montagnes en haut, donc ça nous gêne un petit peu de ne pas pouvoir imaginer que cet endroit-là, à une époque, était plutôt dans le creux de la vallée, peut-être. Mais voilà, ça, c'est une explication. Oui, parce que quand même, c'est renversant, non? Alors, les anciens disent qu'il y a eu un grand cataclysme, un grand déluge, envoyé par les dieux pour détruire les géants, pour expliquer. Ici, on est à Ollantaytambo. Ollantaytambo! Et c'est un site très intéressant, puisqu'on a ce dispositif anti-tremblement de terre. Regardez à quel point tout ça est méticuleux. D'après ces études, Jim Veria déduit que les pierres nous prouvent qu'il y avait une manière, une méthode de construction ancienne très différente, une méthode de construction cyclopéenne, on va dire. Ici, avec cette photo, on peut bien constater que toutes ces pierres sont différentes les unes des autres. Elles ont été ramenées ici depuis une carrière qui, a priori, vient de la montagne d'en face ou de derrière la montagne d'en face. Oui, alors, quand le sol n'est pas plat, si ça vient de la carrière, il faut descendre et remonter, prendre la pierre, la descendre et la remonter de l'autre côté. Soit on est des géants, soit on maîtrise l'antigravité, parce que finalement, un vol d'oiseau, c'est juste en face. Ah! Personnellement, je conçois l'antigravité sonore, entre autres. Donc, scientifiquement aussi, ils y arrivent aujourd'hui. Bon, pour l'instant, ils font ça avec des balles de ping-pong ou des gouttes d'eau, mais je pense qu'on y arrivera. Tout est son. Et en fonction de la variété du son, soit vous faites de la matière, soit vous la transformez. Ça nous la coupe. La parole. Ça coupe la parole. Encore une magnifique photo. Ah oui, oui. Non, c'est vraiment quand même... les arêtes, là. Même avec l'hypothèse des géopolymères, en fait, il faut essayer, faire un chantier comme ça, plusieurs personnes, ingénieuses, débrouillardes, et puis au fur et à mesure qu'un chantier avance, en général, vous faites évoluer votre méthode de construction, et voir si au bout de 6 mois, quand même, les gens sur place n'arrivent pas à reproduire finalement les mêmes aspects par le biais de trucs de construction, quoi. Il faudrait discuter avec des spécialistes maçons, plâtriers, tailleurs de pierre, de tous les corps de métier, en fait. Et que chacun dise, mais nous, pour résoudre ce problème-là, qui vous paraît insoluble, on a trouvé telle solution. Le gars qui a inventé le fait de pouvoir faire des moulages à la cire. Vous voyez, c'est... Oui. Parce que sinon, au début, vous voyez qu'il y a des moulages qui sont coudés et vous dites, mais comment vous voulez forer ça avec un coude? Mais si vous imaginez qu'en fait, il y avait de la cire là-dedans, que le tout a été cuit, que la cire s'est donc fluidifiée et a libéré la forme dans laquelle on l'a émise, vous faites ça, puis après, vous imaginez que là-dedans, on refonde du métal et hop, ah, voilà comment on peut faire. Voilà, mais bon. Un archéologue universitaire n'est pas censé connaître ces trucs-là, donc on ne va pas pouvoir expliquer. Raison pour laquelle, justement, la fine équipe avec Christopher Dunne et tout ça, lui, c'est un ingénieur. Hein, il est d'abord ingénieur, après, maintenant, il se confronte à l'archéologie, aux pierres. Il me semble, hein, en tout cas. Mais bon, on ne veut pas écouter ces explications techniques. Bon, et là, il y a une limitation mentale qui met fin à l'évolution humaine en général, et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, voilà,
les nouveaux chercheurs n'ont pas droit à la parole et les anciens monopolisent alors qu'ils sont toujours bloqués avec leur théorie. Et ils monopolisent l'accès au savoir. C'est une catastrophe humaine hein, pour toute la civilisation. Alors ici, une petite photo de raccord entre les pierres, une photo assez rare, je ne connaissais pas. Il nous rappelle que les jonctions parfaites ne sont pas juste en surface des pierres, hein, mais aussi à l'intérieur, dans le volume. Hein. Ces deux pierres-là ont une surface jointive jusque bien, bien loin à l'intérieur. Il nous rappelle que sur toute la planète, il y a ces histoires de déluge et de géants, ou pas, qui permettent de redémarrer les civilisations. Enfin, qui permettent. Qui entreprennent de redémarrer une civilisation, mais en fait, si on nous considère comme du bétail, voilà, c'est des nouveaux bergers qui recommencent une exploitation. Hein. Mais enfin, là, dans ce cas-là, il faudrait aussi concevoir qu'il y a autre chose que la matière physique. Hein. Il y a une exploitation énergétique aussi, en parallèle. Et de la même manière, il y a un parallèle énergétique au niveau de la création du monde, de tout, avec donc des dimensions plus subtiles qui interpénètrent d'autres dimensions moins subtiles, un petit peu en matrioshka, en poupée russe. Ah bon, c'est pas le sujet, mais je pense que, comme il le suggère, le fait d'adjoindre des professionnels de divers disciplines, un géologue, un archéologue, un architecte, un ingénieur, un folkloriste, moi, je rajouterais aussi des chamans, je rajouterais d'autres moyens d'avoir des connaissances. Hein. Même un channeler, même de tout ça, je rajouterais des pendules, je rajouterais du remote view, je rajouterais toutes les analyses scientifiques les plus poussées qu'on puisse avoir aujourd'hui, je rajouterais, voilà. Et chacun met sa graine là, et à la fin, on a un bel arbre, il me semble, qui explique vraiment comment les choses se sont faites, se sont déroulées. Encore une jolie photo. On se demande aussi à quoi ça sert ces petits bitonios là. Est-ce que c'était pour le transport? Oui, ou pour la manutention de manière générale? Oui. Ou bien est-ce que c'est justement comme dans les techniques à la cire perdue, ces endroits d'où finalement l'air peut s'échapper lorsqu'on verse la cire ou le métal? Est-ce que ces pierres là finalement dans ces murs n'ont pas aussi une activité, une présence, une réalité, un pouvoir électromagnétique global. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Rock Wall, qui est un endroit archéologique du Texas, on a repéré des rochers aussi cyclopéens dans le genre, dont la composition est différente d'un rocher à l'autre, c'est-à-dire que les constructeurs ont inclus dans ces pierres polymères, a priori, des extraits minéraux, des ions métalliques qui allaient proposer diverses capacités après à la pierre, diverses capacités électromagnétiques. C'est un petit peu comme, comment dire, peut-être, je ne m'y connais pas, mais une construction d'un ordinateur, la différence entre une diode, un capaciteur, un transformateur, c'est... Ce que je viens de citer, c'est chaque fois des pierres, mais c'est des pierres avec une fonction différente dans l'ordinateur. Et là, on parle du mur global. Face à un train d'ondes particulier, une certaine disposition magnétique permet des énergies particulières. Je m'égare un peu, mais voilà. Donc, pour en revenir au bitonio, là en question, si ça se trouve aussi, on travaille sur le son, donc il faut que les pierres soient en résonance, et donc c'est le moyen, après, de pouvoir, en les limant légèrement, les faire résonner, les ajuster, qu'elles soient tunées au La 432 ou à je ne sais quoi, par exemple. Si ce n'est pas magnétique, ce serait sonore, vous voyez. C'est le moyen, en fait, de les accorder. Les unes avec les autres. Bon, hypothèse. Hein. Encore une jolie pierre avec deux petites incrustations ici.
Alors, ce qu'on peut constater aussi des fois sur les pierres de granit, c'est qu'il y a ce genre d'érosion par plaque comme ça. Et des fois, on constate qu'il y a une légère différence entre la qualité de grain de la surface et de l'intérieur. Des fois, on constate que les pierres ont été soumises à une chaleur extrême, ce qui crée ce genre d'érosion par la suite. Donc, il y a plusieurs hypothèses là, hein. Il y en a une sur la construction, les différents moyens de construire. Peut-être qu'ils font une sorte de moule en pierre dans laquelle finalement ils mettent une qualité de pierre moins durcissante, par exemple, ou moins collante, ou je ne sais. Hein. Et oui, parce qu'on fait des économies surtout. Hein. Si on galère pour faire une certaine colle avec une certaine résine sur les bords, à l'intérieur, dès qu'on peut, on va mettre des petits cailloux aussi. On ne va pas mettre que d'un mélange qui finalement est pénible et difficile à obtenir, enfin, par rapport à rien, à des cailloux. Et ouais. Et donc, sinon, pour la grosse chaleur, c'est Brian Froster qui nous démontre que en Égypte, il y a de nombreux sites qui ont été soumis à une irradiation de chaleur terrible qui a transformé les pierres. Et on voit bien, c'est pas un bain global, hein. C'est comme si au lever de soleil, le soleil avait déchargé un peu trop fort ce jour-là son rayonnement et avait touché tout ce qui est en plein soleil, mais pas les faces cachées. Vous voyez. Soit un phénomène naturel, soit un phénomène guerrier, hein, un rayonnement guerrier, martial, une bataille quoi, à coup de dieu. DEW, armes à énergie dirigée de l'époque. Ben, ils en avaient, hein, puisqu'ils maîtrisaient le nucléaire, ils maîtrisaient la génétique, je veux vous dire, ils devaient maîtriser le laser, entre autres, ou le maser. Ou... on continue. Ben, tiens, ça tombe bien, voici une photo avec Jim Vera et Brian Foster. Ils sont en train d'échafauder des théories sur la qualité de la surface. Voici une photo qui date des années 50. Je crois qu'il dit que c'est un tremblement de terre qui avait commencé à découvrir la chose. Et voici à quoi ça ressemble aujourd'hui. En effet, il me semble que c'est bien cet endroit-là. Et là, il y avait l'autre mur de pierre qui était, enfin, de pierre plus brutale et plus petite, qui était construit là-devant. Un gros plan. Coricancha. Le temple du soleil, c'est à Cusco. Ici, on est au Machu Picchu. Ah, c'est spécial quand même. C'est spécial. Est-ce qu'à une époque, il y avait toute une armature en bois qui explique qu'il nous reste un bout de l'escalier, mais qu'avant, il y avait des étages? Est-ce que c'est un lieu artistique où les gars, ils ont dit, bon, on va faire un truc. Moderne. Et ça, c'est de la pierre, là? C'est des poutres ou c'est de la pierre? En Égypte, on a trouvé des poutres en bois incluses dans la pierre qui tendent à confirmer qu'à cet endroit-là, en tout cas, ces pierres-là sont des géopolymères qui ont été construits avec le bois à la base. C'est pas, on n'a pas creusé après pour faire passer la poutre. Bien, lorsque les premiers chroniqueurs espagnols sont arrivés avec Pizarro, les Incas lui ont expliqué que Tiahuanaco avait été construit par une race de géants appelée les Huaris avant la période d'obscurité, et qu'elle était déjà en ruine avant même que leur propre civilisation ne commence. Ici, on a ces vieilles statues d'êtres barbus. La porte du soleil de Viracocha, Poznanski. Qui étaient ces géants? Étaient-ils des géants? Et moi, je me demande quel genre d'instruments ils tiennent absolument dans leurs mains. Et c'est aussi parmi ces statues qu'on en a quelques-unes avec le petit sac. Vous savez, des Sumériens, enfin, ils ont tous un petit sac à la main. Là. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ben, comme en général, ils ont le cristal en forme de pinéale là, ou de pomme de pin, là. Ils ont la montre, ils ont
Ils ont aussi des bijoux qui pourraient être des cristaux, soit en boucle d'oreille, soit en broche. Et ils ont ce petit sac. Et qu'on sait que qu'est-ce qu'il il faut de l'eau à tout. Dans toutes les opérations, il faut de l'eau. Moi, je me demande s'ils n'avaient pas une eau particulière dans leur petit sac. Bon, ils pouvaient avoir le petit-déj aussi, la carte, je sais pas. Faut bien imaginer quand même que si aujourd'hui on a un cataclysme, il va rien rester de notre technologie très rapidement. Ne vont rester que, je sais pas, par exemple, un mortier en pierre avec le pilon. Donc on va dire en 2019, les gars, ils pilaient encore au mortier en pierre parce que tout ce qui était ferraille, tout ce qui était électronique, tout ça va avoir disparu. Donc moi, je ne leur enlève pas la possibilité d'avoir une petite technologie très fine, voire même des ordinateurs. Bon. On considère le mécanisme d'Antikythera, cette espèce d'astrolabe boussole qui a été retrouvée sous l'eau au large de la Grèce. On le considère comme un des premiers ordinateurs de calcul astronomique. Ordinateur mécanique, mais ordinateur. Voici encore une grande là. Bon, alors, je ne veux pas dire, mais presque, je dirais qu'à gauche, il a une petite poupée dans les mains, lui. Je peux me tromper là, mais il a une petite poupée à trois pattes. Issa, ici, Pumapunku, c'est l'endroit où on a ces grosses pierres là en forme de hache. Vous savez que la valeur électromagnétique est différente en fonction de la position que vous prenez là, le long de la pierre, sur la surface, si vous enfoncez dedans ou pas. Si vous mettez une boussole, l'aiguille de la boussole n'arrête pas de se déplacer. Ici, un article de journal traitant d'un crâne de géant en Bolivie. Donc, un explorateur sud-américain a trouvé un squelette vieux de 4000 ans. Donc, on était le 17 octobre 1914. Hein. Ben, à l'époque, tous ces sujets-là, on en parlait. Non, mais les gens étaient moins cons à l'époque. C'est fou, ça. Ils avaient moins peur d'être originaux, de faire leur truc. Ils osaient découvrir des nouvelles manières de vivre, sortir de ce que, de ce qu'on leur laissait la religion, essentiellement. Ce machin hyper limitant, quoi, qui n'a jamais rien inventé et qui a laissé la planète, qui nous laisse la planète dans un état de friche inimaginable et de partage entre les humanités, si on peut dire, de partage, de fracture. Donc, daté du 17 octobre à New York, le capitaine Jean Campbell Bellois, qui revenait d'Amérique du Sud en février, avec les nouvelles qu'il avait découvert une ancienne ville des Incas, est arrivé à New York de sa deuxième expédition. Une partie des trésors était un squelette humain, y compris le crâne d'un humain qui aurait mesuré jusqu'à 8 pieds de hauteur. D'autres curiosités de grand intérêt étaient des crânes humains qui ont été donnés comme ayant de 4 à 5 000 ans, étant vieux de 4 à 5 000 ans, avec sur lesquels des opérations de trépanation avaient été performées. On constate très souvent que les gens survivent à l'opération de trépanation, c'est-à-dire faire un trou dans le crâne pour, à la limite, extirper une tumeur ou relâcher les pressions, ou peut-être d'autres trucs. Mettre un implant. Je déconne. Bon. Et on voit que la personne a survécu parce qu'on constate que l'os a commencé à se cicatriser. Ou a même fini de se cicatriser, peut-être parfois. Le capitaine Bailey nous a ramené des photos de ce qu'il disait être la véritable source de la rivière Amazone. Ces photos montrent un ruisseau qui ne fait pas 5 cm de large, jaillissant près du sommet de la montagne,
à 18 000 pieds dans les Andes, d'altitude dans les Andes. 18 000 pieds, 6 000 mètres d'altitude à peu près. Alors, je suppose, mais j'en sais rien, qu'il a montré ces crânes-là. Donc, pour ceux qui prendraient en cours ma chaîne, cette vidéo, pardon, ce ne sont pas des crânes humains. Hein, l'ADN n'est pas humain. Un crâne humain, même déformé, ne peut pas se retrouver à la fin avec un volume intérieur supérieur à celui qu'il aurait eu normalement, n'est-ce pas? Et ce ne sont pas les mêmes configurations osseuses, de toute façon, entre ces genres de crânes-là et des crânes humains. Les orbites n'ont pas la même taille, le trou occipital n'est pas au même endroit, n'a pas la même taille, les innervations vasculo-nerveuses au bout du menton et en haut, derrière le crâne, n'existent pas chez l'humain. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui prouvent que ce n'est pas de l'humain pur. Maintenant, il est possible que ce soit des hybrides. Mais c'est un autre sujet. Donc, ils ont aussi trouvé plusieurs crânes allongés à Pumapunku au début des 1900. Là, on a un dessin issu de natifs des montagnes centrales du Mexique montrant la capture et la mise à mort d'un géant. Ça vient du Codex Vaticano A.80. Ouais. Bon, ben ça, il n'y a pas de doute. Quoi. Hein? Et je dirais même qu'il faut calculer le nombre d'hommes qui est là pour pouvoir avoir une meilleure idée du poids de l'humain, enfin du géant, qu'ils allaient donc brûler a priori, quoi. Enfin cuire. Ou je ne sais pas, mais ça ressemble à un feu quand même. Non? Bon, là, en l'occurrence, il y a 16 hommes. Puis à l'époque, hein, c'est... C'est des costauds, quoi, je pense, quand même. On a une puissance de travail, on va dire. Bon, le voilà en gros plan. Et il nous dit que c'est une origine toltèque, ce dessin. Ici, un autre article de journal, publié dans le New York Times, qui à l'époque n'était pas encore la devanture de la CIA. Hein. Le 4 mai 1908, il y a donc un copyright pour le New York Times, qui est donc aujourd'hui une devanture de la CIA qui met encore des copyrights en plus. C'est pas le sujet. On a trouvé des squelettes de géants. Une grotte au Mexique nous donne les os d'une ancienne race. Boston le 3 mai. Charles C. Clapp, C-L-A-2-P, qui revient récemment de Mexique, où il a été en charge des intérêts miniers de Thomas W. Lawson, a attiré l'attention du professeur Agassiz, qui ne faisait pas encore de tennis donc à l'époque, vers une remarquable découverte qu'il a faite. Il a trouvé au Mexique une grotte contenant plus de 200 squelettes, à peu près 200 squelettes d'hommes, faisant tous 8 pieds de haut, 8 fois 3, 24, 2,40 m hein, minimum. Cette grotte était évidemment l'endroit d'enterrement, d'enfouissement, d'une race de géants qui était là avant les Aztèques. Monsieur Clapp a réarrangé les os d'un de ses squelettes et a trouvé que la hauteur était de 8 pieds 11 inches. Donc 2,40 m plus 11 inches, 1 inch, c'est 2,8 cm. Oui. Ou un 2,8 cm, je crois. Bon, on va apprendre quelque chose, on va aller voir. Une inch égale 2,54 cm. Bon, ce n'est pas la première fois que je vais le voir, mais bon, je ne m'en sers pas assez souvent pour m'en rappeler. Donc, 11 inches, 22 et 6, 28, et 2,40 m, 2,68 m. Ah, ben ça commence à faire quand même, là, les petites inches. Et 2,68 m, c'est un peu moins que 9 pieds, qui ferait 2,70 m. Bon, on y est, à peu près. Hein. Les fémurs lui montaient jusqu'à la taille et les molaires étaient assez grosses pour écraser une noix de coco. Wow. La tête mesurait 18 inches,
du front à la nuque. 18 inches, donc 18, 36 et 9, 45 cm. 45 cm du front à la nuque. Bonjour, la prise de tête. Et le mec, quand il a une idée derrière la tête, t'imagines la taille de l'idée. Bon, reprenons. Un autre article issu de la Sentinelle du Milwaukee, le 14 mai 1926, de Tepic, Nayarit, au Mexique, le 13 mai, découverte d'os d'une race de géants qui faisait plus de 10 pieds de haut, donc plus de 3 mètres là. Et ont été rapportés aujourd'hui par le capitaine David Page, un Américain, et le capitaine F.W. Devalda, un Anglais, qui revenait d'une recherche sans succès pour les mines d'or espagnoles, les légendaires mines d'or espagnoles. Les deux hommes ont dit que leur découverte avait été faite dans des monts de burial, les cimetières, quoi. Dans les montagnes du sud-ouest, et que l'état de préservation dans lequel ils ont trouvé ces os indiquait que cette race de géants vivait dans cette section géographique il y a plus de 500 ans. Donc, plus de 500 ans, alors quand on est en 1926, ça nous met en 1400, on va dire. 1400, c'est pas loin de la date de la carte de Piri Reis, qui est illustrée d'endroits où en Patagonie, ils nous mettent des géants. En mer aussi, il y a des monstres géants et tout ça. Bon, voilà, c'est l'époque aussi où les héros allaient chasser le dragon avant le petit-déj pour faire plaisir à leur belle. C'est l'époque où les sorciers tournaient à gauche, à droite, où on manipulait les tornades, ou ce que savent faire encore les chamans. Hein, c'est... Donc, voilà, comment dire. D'ici peu de temps, on pourra dire à nos arrière-petits-enfants qu'en France, à une époque, on pouvait cultiver dans le jardin des plantes, et les enfants dans 3-4 générations diront que c'est quoi les plantes, c'est quoi le jardin, c'est quoi cultiver, c'est quoi avoir le droit de faire. Vous voyez, ça va leur paraître carrément aberrant, puisque ça leur sera interdit. Ils n'auront pas les moyens de comprendre comment on avait pu... Vous voyez qu'on avait plus de choses à notre disposition, nous, qu'ils n'en ont eux maintenant. Même si, technologiquement parlant, par exemple, peut-être qu'ils peuvent envoyer leur avatar sur Vénus comme ça. Voilà. Je suis un peu confus peut-être, mais enfin... Donc, voici Jim et Hugh Newman, justement, près d'un mont d'enfouissement, d'enterrement, de sépulture ancien, au sommet duquel, évidemment, la chrétienté n'a pas pu s'empêcher de venir planter une église. Hein. Bah, vous savez, je ne sais pas si c'est... que du délire, mais tous ces films où on nous montre des poltergeists suite à la construction d'une maison sur un ancien cimetière. Non, mais là, ils cherchent la petite bête, les gars. Ils vont mettre justement à l'endroit où il pourrait y avoir, si c'est vraiment des sites d'enfouissement, tout ça. Qui sait, je sais pas, c'était peut-être pas leur méthode de s'enterrer les uns les autres, les géants, là. C'est peut-être les gens qui les ont... combattus et vaincus, qui en ont fait un gros tas et les ont mis là comme une fosse commune, c'est peut-être... Allez savoir. Au moins, si... enfin, tant qu'on ne tombe pas sur un site archéologique où on voit les gens bien rangés avec leurs expositions, avec un cérémonial, enfin des traces de cérémonial, l'interprétation reste ouverte, à mon avis. Enfin, ce n'est pas le sujet, je m'égare. Voilà, je pense qu'ils sont en Bretagne et que c'est le grand Manot. Voici une belle représentation de ce genre de menhir en gros plan. Ouais,
Ça, faut l'arroser souvent, hein, pour qu'il. Donc, en voici un autre. Et dans tous ces coins-là, des légendes de géants, évidemment. Ici, le voilà à Carnac, où vous savez qu'on a retrouvé finalement des traces de la connaissance de théorèmes mathématiques, Pythagore et autres, bien antérieurs à Pythagore. Nous voici avec le Mont Saint-Michel. Et un autre article venant aussi du New York Times, du 3 octobre 1892. Mais en 1892, là, il y avait aussi des observations d'ovnis, hein. C'est pas le sujet, mais il y avait des observations de trucs dans le ciel, hein. Et on pense que la partie de la Breakaway Civilization issue des Ninjas et autres possédait déjà des aéronefs, enfin, la suite des ballons dirigeables et autres. On a trouvé des plans pour des fusées qui datent de 1400, 1500 aussi. Enfin, vous voyez, il y a moyen quand même d'imaginer que les gars, ils avaient couplé le ballon, la fusée. Donc, une race de géants dans l'ancienne Gaule. Dans l'année 1890, des os humains de taille énorme, le double de l'ordinaire en fait, ont été trouvés dans le tumulus de Castelnau, dans l'Hérault. Et ont été depuis précautionneusement examinés par le professeur Kiener, qui, tout en admettant que les os étaient ceux d'une très grande race, néanmoins les trouvait anormales en dimension et issues d'une croissance pathologique. Comme ce phénomène sans doute réouvrait la question des géants de l'Antiquité, mais ne fournissait pas assez de preuves pour en conclure quelque chose. Vous voyez la science là, hein? Il est face à la preuve, mais comme c'est pas censé être possible, ça doit être une maladie. Il devait avoir une maladie pour être grand comme ça. Bon, là, il n'en a trouvé qu'un, a priori. Bon, alors il dit une maladie. Mais les autres, là, ils en avaient 200. Une sacrée maladie dans le coin, là, quand même. On se demande un peu qui est malade, en fait. Non? Oui, moi, je suis malade. C'est incurable, hein? Alors, je ne sais pas si c'est très contagieux, mais enfin bon, vous me le direz. Et voici donc un article de la part des pairs, hein, d'études de la part des scientifiques dans la nature. Donc, c'est un article en français. Donc, je ne vais pas vous le lire, hein. Mais Monsieur Delage, professeur de paléontologie à l'université de Montpellier, voilà, hein, c'est bien de la française. Alors, quelques dimensions peut-être. Oui, mais des dimensions qui nous disent quelque chose. Bon, écoutez, je vous laisserai observer ça de plus près, si vous voulez. Donc, un gros plan avec les trois pièces osseuses attribuées au géant de Castelnau, au milieu l'humérus perforé de taille normale. Et là, donc, ce bout-là a une longueur de 14 cm et une circonférence de 16 cm. Ici, un schéma comparatif entre deux squelettes, un d'humain normal d'1,73 m et puis un autre de 3 m à droite. Avec une appréciation assez particulière, le professeur Georges Vacher de la Pouge, qui était un anthropologue respecté par Grant Madison, Madison Grant, et qui même participait au Topinard, au journal Topinard, son point de vue athée, darwinien, socialiste, antisémite, eugéniste, ont fait de cette découverte des os géants quelque chose de pour le moins remarquable. Ces calculs ont montré que cet homme géant du néolithique mesurait 3,50 m de haut, à peu près, pesait plusieurs centaines de kilos, 11 pieds 6 inches et à peu près 500 kilos. Alors, s'il y avait des géants de cette taille-là, vous imaginez la taille des souris, hein.
Donc, il a été à l'université de Montpellier pour chercher les dossiers sur ce sujet-là, mais la personne était tellement considérée antisémite et raciste qu'ils n'ont pas trouvé le dossier. Ils n'arrivent pas à savoir ce qui en est arrivé, ni aux os, ni au dossier. Ici, on a un autre article. C'est-à-dire que c'est intéressant quand même, tout ça, ça traite en France hein, pour l'instant, là, à peu près. Donc, géant de la préhistoire française, dans un cimetière préhistorique récemment découvert à Montpellier, pendant que les travailleurs étaient en train d'excaver un réservoir et un réseau aquifère, des crânes humains ont été trouvés qui mesuraient 28, 31 et 32 inches de circonférence. Donc, 30 inches, hein, 75 cm. Les os qui ont été trouvés avec les crânes étaient aussi de proportions gigantesques. Ces reliques, ces artefacts, ont été envoyés à Paris, à l'Académie, pour que des savants, des éduqués, s'intéressent à la chose. Et on dit qu'ils appartenaient à une race d'hommes mesurant entre 10 et 15 pieds de haut, donc entre 3 mètres et 4 mètres 50. Quand même. Vous avez en entendu parler, parce que ça, Académie de Paris, Montpellier, Castelnau, je veux dire, ça devrait faire partie de l'histoire de France, tout ça, là. Non, ben moi, j'ai jamais entendu parler. Hein. Le seul truc bizarre dont on nous avait parlé encore, c'était en rigolant, c'était la Tarasque. Hein, le Tarascon. Et la bête du Gévaudan, évidemment. Bon, il y en a peut-être deux, trois autres encore. Bon, allez. Mais bon, c'est tout tourné à la légende. Ils ne s'amusent pas de nous montrer le squelette de 3,50 m. Vous imaginez un squelette humain de 3,50 m, des enfants de 12 ans qui voient ça, comment ça peut les traumatiser? Pourquoi ça les traumatiserait? Ouais, parce que quand on est petit, on imagine n'importe quoi. Il faut vraiment bien expliquer aux enfants ce qui se passe et comment c'était, et puis les possibles mauvaises interprétations qu'on a des faits de l'époque avec notre vue d'aujourd'hui. Tout ça, enfin bon, je pense qu'il faut prendre, faut amener certains sujets avec délicatesse, mais il faut les amener. On est quand même en train de vivre des trucs atroces aujourd'hui au troisième millénaire, donc il faut arrêter de penser que ce qui faisait d'atroce à l'époque serait plus atroce que ce qui se produit aujourd'hui. Au contraire, si on dit qu'ils étaient moins éduqués, que ça se produise encore aujourd'hui, ça, c'est aberrant. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Un autre petit article où ils ont trouvé des os près des eaux, près de Paris. Ah, des prisonniers militaires qui creusaient à Vandencourt, près de Paris, ont découvert une tombe d'une centaine, d'un millier d'années d'ancienneté, dont les plaques de pierre non polies étaient mélangées, je ne sais pas, avec des os humains de proportions gigantesques. Les crânes étaient ovales et les tailles, les dents avaient la taille de dents de cheval. Les archéologues disent que cette tombe remonte à l'âge du cuivre. Je pense que c'est la suite. Le 22 mars à Paris, des squelettes humains géants ont été découverts par des prisonniers. Trois squelettes mesurant plus de 6 pieds et 7 inches de long, remontant au moins à 2000 ans, ont été sortis d'un sarcophage de pierre par des prisonniers de guerre allemands qui travaillaient près d'Avignon. Plusieurs urnes contenant des restes de l'âge préhistoire, de la préhistoire, ont été trouvés au même endroit. Alors ça, je vais vous dire, ADN, carbone 14 et autres. Ah ben évidemment. Enfin bon.
Vous avez entendu parler? Vous ne croyez pas que si dans une classe dont on a du mal à garder l'intérêt pour le sujet étudié, si on amenait en histoire des affaires de géants, ça intéresserait même les plus cancres d'entre nous, quoi. Ça dépote. Ça, c'est autre chose que des dates débiles, invérifiables, qui ont laissé cette empreinte poussiéreuse de structures administratives dans lesquelles on est encore en train de nager, et de déraper, et tout ça. Hein. C'est ça, c'est repoussant. On a aucun intérêt, lorsqu'on est petit, à la comptabilité, à noter. Parce que, justement, déjà, ça sent le faux, et en plus, on est petit, quoi. Mais bon, dites-moi que c'était un géant et qu'il mesurait 2,83 m, je peux vous dire que si celui d'à côté, il fait 84,54 m, dans la cour de création, tout le monde va savoir combien mesuraient les deux géants. Il était plus grand, ouais, celui-là est encore plus grand. Vous voyez, et on attire l'intérêt, là, comme ça, sur la jeunesse, de la jeunesse, sur des sujets, quand même, qui dépotent. Un autre article, alors ce coup-ci c'est près de Gap, en France toujours. Hein. Quelques anciennes tribus de géants, au pluriel, les squelettes, 8 pieds, 7 inches, 8 x 3, 2,40 m et 7, hein, 7 et 7, 14, et 3, 17, 2,40 m, 2,57 m. Couchés dans un sarcophage formé de pierres plates. Ah, franchement, il n'y a pas de date là. Un autre article, c'est peut-être le même, mais je ne suis pas sûr, parce que là, c'est à Grenoble. Gap, Grenoble, quoi. 14 immenses plaques de sarcophages datant au temps préhistorique ont été découverts par des marins travaillant sur une nouvelle route, Navies, je pense que c'est la Légion, j'en sais rien, disent les correspondants du Daily Mail de Londres à Grenoble. Les sarcophages ont été trouvés à une profondeur de 4 mètres, 12 pieds, et ont été ouverts avec grande précaution, dans lesquels on a trouvé les squelettes de 14 hommes de taille gigantesque. Dans chacun des cas, il y avait aussi des têtes de grande taille avec d'énormes mâchoires. Non, mais je vous rappelle, hein, le petit pousset, les bottes de 7 lieues, Hansel et Gretel, tous ces ogres qui illustrent nos contes et légendes, bon, ils étaient plus ou moins cannibales, mais c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'était des prédateurs de l'humanité. Ça ne fait pas bien sur... Alors, en autre article, près de Reims, un squelette humain, hein, a priori, 13 pieds de long, 4 mètres, hein, un peu plus de 4 mètres. Donc, puisqu'on était aussi dans les précisions techniques, un pied fait 30,48 cm. Bon, ce qui, pour être précis, fait à peu près 3,96 m. 13 pieds. Bon, a priori, voici ici une carte des États-Unis dans laquelle on a répertorié tous les endroits où on a trouvé des géants. Bon, ça va? Est-ce que vous pensez vraiment que tout ça ne serait-ce que des fakes, des hoax, des montages? Non. Évidemment. Une carte un peu plus européenne. En Sicile, en Sardaigne, ils auraient pu en mettre plus. Il y en a partout des trucs de géants. Là. Et puis en Crète aussi, ici. L'hypogéum et tout ça. C'est peut-être ici la Crète, vous me direz. Non, la Chypre et la Crète. Et puis à une époque, la Méditerranée était bien plus basse. Là, toutes les côtes, c'est bourré de ruines. Et en fait, c'est la preuve que l'Afrique, ça fait partie de l'Europe. Vous voyez, on passait par l'Italie, là, hop, tchap, hop, hop.
Je vais me faire des copains. Et nous voici maintenant à Nan Madol, en Asie. C'est à Pompéi, l'île. La légende locale dit que ce sont deux jumeaux géants qui provenaient du dernier continent englouti et qui ont fait léviter ces pierres pour construire ce site. Il me semble que dans la légende, ils l'ont construit de nuit en quoi ? En 3 jours, ou en 1 jour, ou en 1 semaine, je ne sais pas. Dans la nuit, je ne sais plus. Les natifs appellent cet endroit-là l'endroit des géants, l'endroit des fantômes. Ils n'apprécient pas le coin. D'ailleurs, ils refusent d'y passer la nuit en général. Ici, un article qui dit, un article de la Société américaine géographique, quelque chose d'assez sérieux, normalement. En 1838, le capitaine Ches Coffin du bateau Ohio Nantucket et le capitaine E.B. Sherman du Marcus Fairhaven ont visité ensemble des grottes, des salles voûtées, et on en a pris plusieurs os humains de taille gigantesque. Nan Madol. Voici une photo du site. C'est un massif complexe mégalithique, partiellement immergé. Au moins 250 millions de tonnes de basalte, enfin 250 000 tonnes de basalte ont été déplacées. Je vais revoir le chiffre. 250 millions de tonnes de basalte ont été amenées depuis l'autre côté de l'île pour construire cet endroit. C'est une construction absolument époustouflante. Ici, un rapport disant qu'au début du XXe siècle, alors que l'île était sous domination germaine, allemande, le gouverneur Victor Berg est entré dans une tombe scellée de Nan Madol et a ouvert un des sarcophages des anciens seigneurs de l'île. Il y a trouvé des squelettes de géants de 8 à 9 pieds de haut. Le matin suivant, le 30 avril 1907, après une nuit de tempête, le gouverneur est mort. Ça continue. Le docteur allemand de service sur l'île n'a pas pu déterminer la cause de la mort. Les natifs ont dit que c'était un sort qui lui avait été jeté. La preuve que des gardes au pouvoir surnaturel étaient de service, gardait l'île des morts. Il est dit que lorsque vous provoquez des perturbations sur ce site, il y a en même temps des phénomènes climatiques quasiment qui se produisent, c'est-à-dire une tempête, le temps change. Et de toute façon, il est dit que l'endroit est envoûté, malsain, ensorcelé. Ben, c'est un peu la malédiction de Toutankhamon version Nan Madol, quoi. Bon, on connaît bien cette représentation des Indiens de Patagonie, enfin des géants de Patagonie. Sir Francis Drake a fait des rapports à ce niveau. Des géants de 9 à 10 pieds de haut. D'autres photos. D'autres photos. Race remarquable de géants polaires. En février 1938, le docteur Frédéric Cook est interviewé par le magazine des photographies populaires. A dit que la tribu Ona, qu'il avait rencontrée en 1897, mesurait de 6 à 7 pieds et demi. Ils portaient des peaux d'animaux, ils avaient une endurance de chevaux et la force de bœufs. Et ils vivaient dans de simples tentes, des wigwams, faite de branches d'arbres. Il a pris cette photo-là aussi d'une femme indienne, Ona, qui mesure 6 pieds de haut, 1,80 m à peu près. Donc, photo prise dans la forêt de Patagonie, il y a à peu près 40 ans. Ici, la photo d'un homme, mais bon, sans référence à côté, on aura du mal à imaginer sa taille. Normalement,
En Angleterre, on a la légende comme quoi Merlin aurait été assisté par des géants pour créer Stonehenge. Ici, un article d'un squelette de géant à Salisbury. Un article dans un journal français sur les géants donne une liste des plus grands d'entre eux qu'on aurait trouvé près de Salisbury. Et c'est une référence à un journal français de 1719. 1719. Sa hauteur était de 9 pieds 4 inches, ce qui en faisait l'homme de la taille la plus haute dont je n'ai jamais entendu parler. À Salisbury, je me rappelle dans mon enfance, un monticule dans un pré au nord de Saint-Edmunds, de l'église de Saint-Edmond, qui était appelée la tombe du géant. Bon, qu'est-il arrivé de ce squelette? Car avec une telle taille, il aurait mérité qu'on le préserve. Ici, un article dans un journal anglais à propos des anciens Irlandais. À Dublin. Vers Clonalvay. Clonalvay. Daté de 1500 à moins 2000, enfin moins 1500, moins 2000. Au bout d'un tunnel de 15 pieds, une chambre circulaire, trois petites alcôves. Bon, blabli, j'ai pas trouvé vraiment d'éléments sur la taille des cadavres, des squelettes. D'autres articles d'anciens Superman ont été déterrés dans des chambres funéraires irlandaises, datés aussi jusqu'à moins 2000. Les archéologues, en 1950, décembre, le 25 décembre 1950, à Dublin, ont aussi trouvé des traces de super-hommes, quoi, qui serait plus grand de la tête et des épaules par rapport à nous aujourd'hui. La plupart font plus de 7 pieds de long, avec une structure osseuse massive. Dans le folklore irlandais, il est courant d'avoir des géants de 2 mètres qui habitaient les temps glorieux d'un pays irrigué de lait et de miel, aux rivières de lait et de miel. Ça a une autre référence, hein, encore, avec la tribu de Tuatha Dé Danann, etc. Donc Atlantis. Donc voici une photo du site. Ils appellent cet endroit Fort Knox. L'article, un homme mesurant 8 pieds. Il y avait d'autres squelettes dans la région. Encore un article. Donc, à une époque, vraiment, c'était très courant. Ouais. 8 pieds et quelques inches. 5 inches, a priori. Trouvé avec une ancienne épée portant l'inscription en gaélique Donach O'Keeffe, AD. 1231. Alors, je ne sais pas traduire le gaélique, mais O'Keeffe, ça doit être le nom du propriétaire. Donac, c'est peut-être son prénom, ou bien il y a un verbe là, du style donné, reçu en 1231. Avec l'épée. Ici, un article sur la découverte d'une personne de 10 pieds, 3 mètres, 2 mètres 96 et quelques. 10 pieds, 10 fois 30,04, voilà, 3 mètres et quelques. Donc, c'était en Irlande et il y avait deux autres squelettes l'accompagnant.
Ils étaient enterrés dans des tombes séparées, toutes scellées de pierre. Le crâne du géant mesurait 18 inches du sommet de la tête jusqu'au menton. 18 inches. 18 et 18, 36 et 9, 45 centimètres. Ah ben oui. Bon, on connaît bien cette photo aussi. Ici en meilleur gros plan. Elle n'est pas trop en mauvaise qualité. Donc c'est quasiment un cercueil qui est appuyé contre un wagon. Hein. Et pour qu'il tienne, il faut qu'il déborde, qu'il dépasse le haut. On avait calculé dans une ancienne vidéo à peu près là, avec l'intervalle entre deux barreaux de chaise, quelle pouvait être sa hauteur. Je crois qu'on est arrivé à 4,30 m. Hein. Je ne m'en rappelle plus bien. Puis c'est approximatif. Donc lui, il a 6 doigts et 6 pieds, 6 orteils. Ce squelette-là a été montré tout autour de l'Angleterre et de l'Irlande à l'époque. Et soudain, il a disparu. Donc a priori, il faisait 12 pieds, 2 inches de haut. Alors tout autour de l'Irlande, on a des dolmens qui sont considérés comme des tombes de géants. Encart, alerte, non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez enterrer là-dessous? Non, mais c'est ridicule. C'est complètement ridicule d'imaginer ça. Et puis en plus, ne pas s'occuper de ce que pensent les druides locaux, les chamans locaux, là, ce sont tous des endroits où, telluriquement parlant, il y a des phénomènes extraordinaires à remarquer. Il faut arrêter. Un jour, les archéologues du futur vont trouver des hommes enfouis, ensevelis dans leur voiture. Ils vont dire que c'était les derniers cercueils. Non, c'est complètement ridicule. Comme une autoroute sera enfouie, on verra toutes les voitures enfouies là. Donc, ils vont imaginer que c'est un cimetière. Non, non, c'est un grand ridicule. Il faut être polyvalent. Si on s'intéresse aux bioénergies et à l'archéologie et à l'astronomie, et là, on finit par expliquer beaucoup mieux qu'est-ce que pouvaient être les pyramides, les dolmens, les menhirs, les hippogéums, beaucoup d'endroits comme ça où finalement il y avait des mises en évidence des propriétés subtiles des énergies, du son, de l'électricité. Il y a des endroits où les pierres résonnent particulièrement, il y a des endroits où ce sont des moments avec des pics électriques au lever du soleil ou aux équinoxes ou aux solstices et au lever du soleil d'autant plus et au coucher. Vous savez, il y a des vagues d'énergie comme ça qui parcourent toute la planète à ces moments-là de la journée. Et voilà. Donc, c'est une énergie qui va courir sur Terre, sous Terre, le long de toutes les courants telluriques, avec donc un pic d'intensité électrique ou de voltage électrique à ce moment-là. Ah, il faudra que je finisse cette vidéo entre Stéphane Cardinaux et Dan Winter, parce qu'évidemment, c'est le sujet type à peu près. Et puis aussi avec Maria Whitley. Alors, on en a fait d'autres encore. C'est la dame des pendules et puis de l'eau primaire, primale, primaire, la première eau, l'eau yin. Bon, on continue. Encore un magnifique dolmen. Un autre. Ça, c'est un champignon. C'est la période des bolets, des cèpes là en ce moment, et il y en a des comme ça chez nous. Encore une photo magnifique. Il nous dit, rendez-vous compte à quel point est-ce qu'il est compliqué de construire un tel site, ainsi que des sites tels que celui-ci aussi, où on constate qu'il y a des plus petites pierres en dessous de ces mégalithes incroyables. Ces pierres peuvent peser entre 800 et 2000 tonnes. On voit la taille d'un homme ici. Alors, ici, un article qui date de 1432. À propos de Baalbek, donc, qui est l'endroit d'où a été prise la photo précédente, où on parle de ces énormes pierres qui ont construit et qui, à présent, délimitent un site dans lequel il y a une mosquée, dans laquelle il est dit qu'il y aurait
des restes d'un crâne humain avec des orbites oculaires si énormes qu'un homme pourrait y passer la tête à travers leurs ouvertures. Vous pourriez passer votre tête dans le trou de l'œil du crâne. Et ça a été cité par Bertrandan Brecquier en 1432. Ici, une autre photo de, soi-disant, la carrière. On peut se demander. Hein. En tout cas, la pierre était déjà toute taillée, on dirait, hein, quand même. Non, parce qu'il y a plusieurs hypothèses. D'après Graham Hancock, ces mégalithes datent de bien avant la construction du temple de Jupiter et auraient au moins 12 000 ans. Ils seraient quasiment contemporaines du site de Göbekli Tepe en Turquie. Il suggère que nous voyons le travail de survivants d'une civilisation perdue, que les Romains ont construit leur temple de Jupiter sur des constructions préexistantes, des fondations mégalithiques, et qu'ils n'étaient pas au courant des autres pierres qui étaient encore enfouies dans les carrières alentours, sous des mètres de sédiments, à l'époque romaine. Donc voici une des constructions soi-disant romaines. Je dis soi-disant par référence à Sylvie Ivanova, qui a de gros doutes sur les capacités des constructions des Romains, qui étaient plutôt, disons, des légions de conquérants. Et alors que là, on a des travaux d'une finesse et d'une réalisation incompréhensible quasiment aussi. On a trouvé en fait de ces bouts de colonnes inclus, enfin, récupérés pour reconstruire des sites qu'on n'arrive même pas encore à dater. Donc les gens qui ont construit ces sites indatables, c'est plus ou moins en Crète et dans le coin là-bas, ont utilisé des restants de trucs encore plus vieux et dans lesquels ils faisaient déjà des sculptures, donc de bouts de colonnes en tout cas. Donc, ils avaient déjà inventé la roue quelque part, hein, ça c'est sûr, hein, en plus. Enfin, ben, je dis ça parce que, bon, il y a des gens qui disent que la roue. Je rappelle hein, que le rond, c'est la première chose qu'on voit sur Terre et qui nous plaît un petit peu quand on est petit, hein, c'est les pupilles de maman. Après, on regarde la lune, on regarde le soleil, on regarde les pupilles de notre amoureuse, on regarde. On va faire pipi dans l'eau, ça fait des ronds. Alors, imaginez qu'en plus, quand on se promène et qu'on court et qu'on glisse sur des bouts de bois ronds, sur des cailloux ronds. Imaginez que les gens n'aient pas inventé, n'aient pas compris que le phénomène de la rotondité permettait un glissement aisé, voyez, de rouler. Quoi. Ça m'étonne, moi. Personnellement, ça m'étonne. Enfin, bon. Donc, d'après le patriarche maronite du Liban, la forteresse de Baalbek est la plus ancienne construction au monde. Le fils d'Adam, Caïn, l'aurait bâti dans l'année 133 de la création, durant des périodes troublées, on va dire, de folie. Il lui a donné le nom de son fils Enoch et l'a peuplé avec des géants qui ont été punis pour leur déboire par le déluge. Bon, ça, c'est une traduction, une hypothèse de 1998. Enfin, pas hypothèse, mais un article. En Égypte aussi, nous avons des légendes de géants. On en voit des gravés autour de, soi-disant, ceux qui œuvrent autour de la pyramide. On en voit partout, tout le temps. Ben, on se rappelle pas, mais il y a aussi des serpents volants, hein, des serpents qui flottent, en tout cas, qui sont souvent représentés. Oui. Ah, ils ne sont pas en train de glisser sur le sol, ils sont en l'air comme ça, ils sont verticaux, ils flottent. Un petit peu comme le chupacabra, enfin un certain chupacabra. Ce n'est pas le sujet. Oui, celui qui flotte en faisant un bruit de ruche ou un bruit comme de transformateur électrique, et puis je crois qu'il ne sent pas bon non plus aussi. Ici, un article en 1881, le professeur Timmerman, qui explorait l'ancien temple d'Isis sur les bords du Nil,
à 16 miles en dessous de Najar Jafar. Il a ouvert une série de tombes dans lesquelles une race de géants préhistoriques avait été enterrée, le plus petit squelette parmi une soixantaine, qui a été examiné durant ce temps par Timmerman, mesurait 7 pieds et 8 inches de long, le plus grand 11 pieds et 1 inch. Des tablettes mémorielles ont été découvertes en grand nombre, mais il n'y avait pas d'inscription qui pouvait se rapporter à la mémoire de ces hommes de taille extraordinaire. Il est cru, on croit, que ces tombes sont datées aux années 1043 avant Jésus-Christ. C'est super précis, 1043. Comment est-ce qu'on peut arriver à une telle date? Je ne sais pas. Corrélée avec la cendre du volcan qui aurait eu une éruption à cette date-là, je ne sais pas, des choses en genre. Ici, on a une représentation d'un géant parmi d'autres humains de taille plus réduite. Et on ne peut pas dire que la personne que je cache avec ma vignette n'était pas au courant. Lui est là. Ici, une image de l'Osirion, d'Osiris, qu'on pense être encore beaucoup plus vieux que ce que l'on ne pense. Alors là, on nous dit que dans l'année 820, à l'époque de la gloire de Bagdad, le grand sultan, le suivant et descendant du grand El Rachid des nuits d'Arabie, des mille et une nuits, le sultan El Rachid Al-Mahmoun a décidé d'ouvrir la grande pyramide. On lui avait dit qu'elle avait été construite par des géants qui étaient appelés les Shedai, des êtres surhumains. Et qu'ils avaient stocké au sein de ces pyramides de grands trésors au-delà de la connaissance humaine. Ben, l'Arche d'Alliance, par exemple. Donc ça, c'est un récit qui a été fait par Manly P. Hall. C'est un auteur, historien, franc-maçon, qui faisait de nombreuses conférences très ouvertes et très intéressantes à suivre. Ici, en Sardaigne, énormément de sites rapportés au Nourage, à l'âge nouragique, avec donc, bon ben, je vous laisse regarder la carte, tous les sites marqués où il y avait des choses en rapport avec des géants. Soit des mégalithes, soit des tombes, soit des squelettes. Ils ont trouvé une phalange qui me semble être énorme, une phalange de petits doigts qui doit être, qui fait la taille d'un doigt, quoi. Ils ont trouvé des dents énormes, ils ont trouvé pas mal de choses. Donc, un endroit qui est appelé la tombe du géant. Mais il y a des sites comme ça tout autour de l'île. Et puis, il y a des récits de géants. En 1953, ils ont trouvé dans une fouille datée de 4000 ans deux géants guerriers, intacts, entourés de leurs armes. Du matériel, des vases. Il faisait plus de 8 pieds de long. Voici une des tombes d'un site mégalithe. La forme est très importante. Il vénérait aussi la tête de bœuf avec les cornes. C'est incroyable. Il y a une construction ici aussi avec une finesse de joint entre les pierres hallucinante. Regardez un petit peu cette disposition. Ça vous rappelle rien? Ah oui, la grande galerie dans la grande pyramide. Voilà une autre vue. Ça, c'est un autre site. Et je ne peux pas m'empêcher, quand je vois ça, d'imaginer un petit peu tout ce qu'a découvert Michael Tellinger en Afrique du Sud, dans le Grand Zimbabwe, où il y a un petit plus ou moins, en fait, ce sont des ruines du temps d'Enki, quelque part, avec les légendes et les mythes de la création, les géants, les oiseaux, les pierres qui sonnent, la résonance, et surtout tous ces sites, ces milliers, des milliers, des centaines de milliers de sites qui, vus du ciel, donnent l'impression qu'on a rasé comment dire,
qui avait des habitations, mais en fait, ces habitations n'avaient pas de porte. Vous voyez? C'est comme si on rase là, on ne voit pas d'issue à la ruine. Et en fait, il semblerait quelque part que c'est la disposition de ces traînées de pierre, finalement, respecte les cladnies. L'effet produit par le son sur le sable disposé sur une plaque qu'on fait vibrer. Vous voyez, sur la plaque se créent des schémas. Ben, plus ou moins, j'ai l'impression que les pierres sont disposées sur la terre, là, comme si lorsqu'on frappait fortement la terre, le sable se serait réuni à ces endroits-là. Enfin bon, j'essaie d'imager le fait qu'il devait disposer de connaissances sur une technologie de lévitation sonore, entre autres. Je rappelle que ces E.T., là, même s'ils ne sont pas surhumains et qu'ils manquent d'humanité et d'empathie, ils disposent d'une technologie qui nous déborde. Hein. Ils ont des milliers d'années d'évolution en plus que nous. Voici un autre endroit, un autre site. Il semble qu'on ne peut pas séparer les géants des autres mythes. Vous parlez de mythologie, vous parlez de géants. Donc, en 1920, un article sur les géants en Sardaigne. Des squelettes de 9 pieds de long. Des squelettes. Quatre au moins. Voici une statue avec cette représentation particulière, là, et ses yeux, là, et cette forme de visage. Une autre tête. Ici, une gravure. Rapportant une découverte en Sicile, à Caton Island, l'île de Caton. Je dois me tromper dans la prononciation. A été découvert en 1807 vers le port de Girgenti, en Sicile. Girgenti qui ne vient pas de gigantesque non plus, hein. Mais peut-être. Lorsqu'on mettait les os en position correcte, le squelette mesurait 11 pieds 4 inches. Bon, ce qui fait en fait 10 pieds 6 inches anglaises. La tête, le crâne était de grosses proportions. Et ils ont trouvé ça à 170 pieds sous la surface du sol, à peu près, dans une mine de soufre, dans un sarcophage de pierre. Vous vous rendez compte que les gens, ils taillaient dans la pierre des sarcophages, des cercueils. Vous y mettre un squelette dedans. Donc, le capitaine Allen qui a fait cette découverte a fait une signature, a signé sur l'honneur la vérité de ses déclarations. Donc, c'est du sérieux, quoi. Puis, à cette époque-là, la réputation, la renommée, c'était hyper sérieux, quoi. Ça l'est encore aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Hein, vu le nombre de gens qui ont un casier judiciaire et qui sont au pouvoir, je ne pense pas que la réputation existe encore aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était très important. Et on comprend pourquoi. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Vous voyez? Aujourd'hui, on ne peut plus leur faire confiance, là. Les archéologues du futur, j'espère qu'ils ne vont pas se fier aux archives d'aujourd'hui. C'est tout faux. C'est tout faux. À part mes archives, par exemple, qui ne sont pas attestées véritables, mais... qui dénote d'un état d'esprit à la recherche de la vérité et non pas à la recherche de laisser mon empreinte dans l'histoire. Enfin bon, entre autres. Il est intéressant de remarquer que les cyclopes, qui étaient aussi une race de géants, étaient en ont été fait référence auxquels par les anciens, dans cette région où ces os de géants ont été trouvés, la partie ouest de la Sicile. En Sicile, on trouve aussi ces constructions cyclopéennes qu'on appelle, telles qu'on les appelle. Ce genre d'entrée, ou de tunnel, ou de sortie. Ce genre de construction. Et ici, on peut voir, hein, moi je vois trois petites protubérances qui me rappellent
Ollantaytambo et ailleurs là-bas. Donc ça, c'est Hugh Newman à l'écran. Et on voit qu'il construisait comme ça, mais même avec des gros morceaux, il se permettait de faire des petites fioritures. Et c'est censé être antisismique. Autre petite photo. Donc ça vient de Grèce. À Malte aussi, on parle de géants. Donc, situons Malte sur la carte, donc au sud de la Sicile. Quelques vues de mégalithes, de construction. On a aussi des mythes et légendes de géants, évidemment, sur place. C'est bourré de temples et de constructions mégalithiques. Il y a vraiment tout un dispositif de sites mégalithiques remarquables. Alors, dans la Bible aussi, on fait des références aux géants, qui auraient 6 doigts, 6 orteils. L'hypogéum de Malte. Donc, c'est une structure, un édifice qui est construit sous terre, dont les proportions font en sorte que les résonances sont excessivement importantes et intéressantes, et qui pourrait avoir été le site de cultes anciens matriarcaux en relation avec la déesse mère et tout le côté féminin de l'humanité, la création, amener un bébé au monde. Le culte de la fertilité, quelque part, en tout cas féminine. On peut imaginer que dans ces endroits-là, avec des vibrations particulières, ça peut être des sites de soins aussi. Ça va vous ramener à une fréquence de base qui vous rapproche, enfin, voilà, vous remet dans votre moyenne. Et ça, suivant l'heure, suivant le système énergétique qu'on joue, considéré, suivant peut-être l'endroit dans l'hypogéum. Voilà. Donc, hypo, c'est du latin, ça veut dire en dessous. Et géum, gynée, c'est la femme. Je traduirais comme ça. Donc, l'endroit souterrain consacré à la femme. Donc, des références aux géants à 6 pieds. 6 pieds. 2-6 pieds peut-être, non, mais à 6 orteils et 6 doigts. Encore une vue de Malte. Ils ont trouvé des statuettes à Hagarkim avec donc des personnages qui étaient atteints de polydactylie, atteints de, enfin, ça veut dire qu'ils ont plusieurs doigts. Donc on fait déjà de la polydactylie, nous, hein, mais on fait de la polydactylie à 5, la pentadactylie. Tandis que les autres, là, ils sont en hexadactylie, voire en hepta, c'est quand ils en ont 7. Bon, ici, une petite carte des Baléares, hein, oh non, des Canaries, pardon. La Palma, El Hierro, Jomena. Grand Canaria, voilà. Fuerteventura et Lanzarote. Donc, on est juste à l'ouest de l'Afrique du Nord, n'est-ce pas, là? Et c'était donc de la même manière que Bimini, sûrement un ancien site atlante, évidemment. Non, enfin bon. Pas oublier qu'aux îles Canaries, là, il y a des pyramides. Il y a aussi des mythes et légendes de géants. Il est dit qu'il y avait à l'époque une race de gens géants, d'hommes géants, qui mesuraient 15 pieds de long, dont les crânes possédaient 80 dents. Ils avaient une double rangée de dents. Et qui étaient couverts de poils sur le dos et sur la poitrine. Ah, bon. Donc, il est dit qu'à l'époque de l'empereur Hadrien, ils avaient trouvé sur un endroit appelé Messana, à Carthage, le corps d'un géant qu'ils ont appelé Ida, qui mesurait 20 pieds de long, qui avait une double rangée de dents, complètement préservée dans sa tête. D'autres articles à propos de l'Amérique du Nord. Daté de 1872, dans la ville de Seneca. Trois squelettes, 8 pieds de long, double dentition,
autant devant qu'au fond de la bouche, en haut et en bas. Donc 80 dents, ça veut dire 40 en haut, 40 en bas, ça veut dire deux rangées de 20, ça veut dire de chaque côté 10, c'est plausible, hein. Sauf qu'il faut deux rangées. Ah ben là, ça me plairait, moi, hein. Je dois vous dire que ça me plairait. Il est aussi dit que peu de temps après qu'ils aient été exposés à l'atmosphère, les squelettes sont retombés en poussière. Petit encart. Une pyramide, par exemple, possède des capacités énergétiques qui lui permettent de préserver à l'intérieur des aliments en état, de les disséquer, de les dessiquer. Enfin bon, toujours est-il que vous pourriez avoir à l'intérieur d'une pyramide quelque chose qui a vieux de 5000 ans et qui a encore un aspect apparent qui va très rapidement changer lorsque vous allez le sortir de cette atmosphère énergétique particulière de la pyramide. Donc, voilà, il peut aussi se passer ça, hein, pour expliquer le retour à la poussière des artefacts qu'on sort de l'endroit où on les a trouvés. On les a trouvés dans cet état-là, à cet endroit-là, que parce qu'ils étaient dans cet endroit-là. Ils auraient été à 3 mètres à côté, on ne trouvait pas. Mais à cet endroit-là, il y avait une configuration énergétique telle que, ben voilà, comment dire, ça améliore la néganthropie. Vous savez, vous vous rappelez cette vidéo sur la possibilité de rajeunir grâce à un travail sur la néganthropie d'un endroit, énergétiquement parlant. Oui. Bon, c'est une hypothèse personnelle, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait garder en mémoire lorsque les archéologues déplacent des artefacts. Leur étude devrait être faite aussi sur place, on va dire, d'abord, parce qu'il peut y avoir en plus des artefacts de déplacement, si on peut dire. Bon, on reprend. Donc, Alice Quarter Cook, à propos des aborigènes des îles Canaries, ils ont trouvé des hommes de taille extraordinaire, supposément d'une race de géants. Parmi les morts, après une certaine bataille, les Espagnols ont trouvé un guerrier de 9 pieds de taille, de haut. On trouve des anciennes constructions sur toutes les îles Canaries, qu'on peut classer dans l'architecture cyclopéenne, donc avec ses pierres polygonales, qui sont assemblées sans l'utilisation de ciment, qui sont souvent coupées et polies, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc le mur extérieur que les jointures intérieures. Ces pierres étaient d'une telle taille qu'il semblait impossible que les hommes aient pu les manipuler. Bon, il n'a pas trouvé ces sites-là en question, mais on sait qu'il y a au moins des pyramides. Thor Heyerdahl avait géant qui était dessus. Thor Heyerdahl, c'est la personne qui a construit un bateau tel les barques du Titicaca, du lac Titicaca, pour passer depuis le Pérou, quasiment, vers l'île de Pâques. Sans moteur, hein. Rien qu'avec les moyens mécaniques d'un navigateur en mer, le vent, les courants. Bah, je sais pas. Moi, j'aurais dressé des dauphins et autres grands mammifères pour me tirer, mais bon, je suis peut-être un peu. J'exagère peut-être un peu, mais d'un autre côté, je vois pas pourquoi. Hein. Je vois pas pourquoi. Si on a réussi à faire ça avec des bœufs sur Terre, pourquoi, et des chevaux, pourquoi est-ce que les marins ne penseraient pas à dresser des orques, des polars, des dauphins, des cachalots pour tirer leurs embarcations? On peut faire du contact. Moi, je pense qu'on peut faire de la communication animale. On peut. Enfin bon, vous allez dire, oh là là, il perd toute crédibilité là. Et écoutez. Vous savez qu'il y a des animaux qui ont plus de vocabulaire que certains humains aujourd'hui? Bon, évidemment, ils ont été stimulés, éduqués, mais bon. Il y a des chiens qui comprennent plus de mots de vocabulaire. Il y a des singes et des perroquets qui comprennent plus de mots de vocabulaire que certains humains. Oui, absolument. C'est pas glorieux. Hein. Bon, revenons. Alors, on avait déjà vu ça. Hein. C'était une empreinte d'un pied à 6 orteils, me semble-t-il. C'est dans des îles du Pacifique, les empreintes de Tarawa,
noté dans les archives de la société polynésienne par I.G. Turbot, un anthropologue. Alors, deux séries d'empreintes de pieds sur l'atoll de Tarawa dans les îles Gilbert. Alors, oui, des empreintes dans la pierre, voilà, à une époque où la pierre était boue, je ne sais pas, ou bien c'est peint. Voici une des empreintes. Donc, a priori, c'est dans la pierre. Hein. C'est les empreintes en relief. On constate qu'il y a 6 orteils. Les anciens de l'île disent que des géants habitaient là avant. Avant le déluge, le grand déluge. Sur l'île de Pâques aussi, on a les mêmes empreintes. Au Fidji aussi. Donc ça, c'est dans la grotte Tatuba. C'est Véné. Vitilez-vous. Alors, c'est censé être un pied, ça. Alors, si c'est un pied, comment dire ? Moi, ça me rappelle le pied du singe, là, qui a une capacité de préhension. Enfin bon, je ne veux pas interpréter. Hein. En Australie, on a cette représentation d'un gardien à 6 doigts et 6 orteils, un géant. Voici l'image de son pied. Tout autour du globe, hein, on trouve d'anciennes empreintes, d'anciennes statues avec 6 ou 7 doigts et orteils. Mais enfin, on a un peu parlé de tout ça déjà dans la dernière vidéo avec Jim Vieira. Alors, Jim Vieira nous laissera décider ce qu'on veut faire de tout ce matériel. Pour lui, ça paraît plausible. Il espère qu'au fur et à mesure que la science va progresser, elle deviendra plus ouverte à ces hypothèses et à l'existence de toutes ces preuves. Hein. Ben, ils les ignorent. Vous savez, les scientifiques, aujourd'hui, quand ils n'arrivent pas à expliquer un truc, soit ça devient à but religieux, soit ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. D'après leur savoir, ce n'est pas possible. Donc, ça doit être une fraude. Vous voyez, genre, on se demande qui c'est la fraude. Là. Et donc, ils nous remercient. Et voilà, je vous laisse voir un petit peu la liste de tout le personnel qui a participé à la production de cette vidéo, de cette conférence. Je vous remercie pour votre suivi, votre attention. Je vous souhaite quand même un bon courage pour continuer d'accumuler toutes ces données et les explications, les hypothèses que vous pourrez en tirer vont peut-être parfois nécessiter une confrontation à un monde auquel vous n'étiez pas préparé jusqu'à présent. Mais écoutez, restez zen, c'était déjà comme ça hier. Bonne journée, salut, à la prochaine.